Première voiture, oyo papa nanga somba, ezaki yas. Ba minibus ba yas. Azumbongo, ola somba voiture moko boye ya bien. A somba yas pourquoi? Parce qu'il voulait que chaque dimanche mutu nyonso akende. Pas dans la place. Alors biso ne bandai ko lokota veni mobimba. Tomé mani ba musu ba tongi rail à l'époque. OK. Tina église tozongi. Donc on a eu un père qui voulait que tokola na makambo nzambe et ça a beaucoup influencé ma vie, ma carrière, et voilà. Alors, de passage, il y a Moyembi, Coco, ma pasteur. Je ne sais pas, au moins que je tape à côté. Cité Bethel, les églises Oyo. Lelo, on n'a plus rien à dire. Cela veut dire s'implanter partout. Oui. Yoke Poto. Du coup, on revient, pasteur Moïse Mbillet. Kolongwa chantre, Coco, ma pasteur. On peut avoir un peu, moi, du solo. Oui, alors, comme j'étais chantre, à l'époque, j'étais pas seulement chantre, j'étais aussi dans la jeunesse. Okay. J'ai eu à travailler pendant quelques années comme coordonnateur de la jeunesse. Donc, on a travaillé comme coordonnateur de la jeunesse. À un moment, tout comme on travaillait dans l'implantation à l'église. Na pièce moko, il y a quelques mètres carrés, tout à l'heure, il y a 15 personnes, tout ce qu'on a na maya loufou, na rivière. Okay. Vous voyez, on a fait plein de voyages comme ça évangéliques. Je connais presque tout le Congo. On a voyagé na bambouka mikie, na ba maniema et tout. On est allé implanter des églises. Ensuite, je suis devenu prédicateur aussi na église, na biso moko, ça na débonhomme. Nazaki pasteur Tenaza, pasteur. Le pasteur s'appelle pasteur Ignace Ndumbi. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. L'église existe jusqu'aujourd'hui sur l'avenue Liboke, côté Shekina, dans les bonhommes, côté Mayanjili. Ouais. C'est un quartier que je connais bien. Après là, Naeko Lungwakuna, Batindinga, en assemblée, place Nazali, comme assistant, Yamuto Azalaki, le pasteur principal. Et après, c'est là que je suis devenu pasteur. Le pasteur, il aimait qu'on l'appelle évangéliste Stewart. Et après lui, moi j'ai pris la place, je suis devenu pasteur. Donc mais après le départ de papa, oui. C'est comme si juste après, t'as eu yoyé, on s'imposait. Oui. On s'imposait na yo, rien à prouver. Quelle a été la réaction, il y a un collaborateur direct, il y a papa, je ne m'aurais pas cité les noms, mais le pasteur que Trouva, oui. Histoire dans Olélo, je ne m'aimerais pas qu'on a dans de polémiques. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on peut même entrer. Ah oui, hein? Autorisez-moi! La ligne a boyé! On a autorisation de celle-là, bien. Il y a des airs. Alors, pour Nayo Lélo, le pasteur a évolué dans papa. Oyo, tant que yoye, et Zuineti, Tchanan ou Boye. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Vous savez, mon père était un homme qui a tout donné pour l'église. Il a travaillé depuis sa jeunesse. Mon père était douanier. Il travaillait à Zaïre Container à l'époque à Kingabwa. Oui. Un jour, Dieu lui a ordonné. Tika Moussala Nayo, Bandako Seelanga, Netioka Bepcho, Tika Journalisme, tout ça, Bandako Seelanga. Je me rappelle à l'époque, ses amis l'insultaient. Vous voyez? La première fois qu'il m'a vu prêcher. Il m'avait jamais vu prêcher. Mon père n'est pas. Mais c'est arrivé comment? Tu as eu un encadreur? Non, je suis passé par le chemin de tout le monde. Bethel est une église organisée où il y a des encadreurs, il y a ça. Mais après, c'est les représentants légaux qui a le dernier mot. Vous voyez, qui est mon père jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Beaucoup de gens pensent même que je suis représentant légal de Bethel. Moi, je ne suis pas représentant légal de Bethel. Je suis juste un simple pasteur comme tout le monde. Et voilà, on a évolué. Après, est-ce que tout le monde était content? Non, parce qu'il y en a. Il y en a qui souhaitaient peut-être prendre cette place, qui voulaient que, bon, après l'empoisonnement de mon père, qu'eux puissent se retrouver là. Et puis, du coup, bah, Monica, je nomme Mokobo Abimi. Attends, on a une place là-bas. Toujours pas mais après il y en a petit à petit qui ont compris. Il y en a aussi qui avaient peur, qui se disaient
La grâce que j'ai, des saliques, mais dans les documents, je ne suis pas le propriétaire de l'église Cité Bethel. Le numéro un, les représentants légaux, l'église Bethel, c'est l'apôtre Emmanuel Mbille. Donc je suis pasteur, comme notre pasteur Oazakana Mpasa, le roi Oazakana Kipushi, n'a pasteur le croyé. Vous voyez, mais seulement, j'ai su faire les choses à ma manière. Voilà. Tu es un peu différent. Est-ce que sponsor si tu veux que les choses soient bien, que ton travail te paye, mets les sérieux comme moi j'ai mis les sérieux. Vous savez comment moi je suis devenu pasteur à Bethel, Papi Mboma. Nakuta cité Bethel, balcon, l'icolo, en plein dimanche, banabobeta match à football. C'est comme ça que moi j'ai pris Bethel. Église en nous, on a quand même bâton d'Ati, Liban, Nawana, Nana Zongo, Kati Kati. Mais oui, il y a des images. Natabna Batunyo Sobaola Ndabayebi. Moi j'ai pris. Mon père fut empoisonné à Keko s'installer en Europe pour des raisons médicales. Avant de partir, l'église des Aguilés. L'église Zaki bien. Et tant qu'on a Kei, l'église Batou Bakei. Il y a même des pasteurs congolais qui faisait des émissions, bah, c'est qu'à Bethel. Moni Bethel est là. Moni Bethel est là. Vous voyez, il y a deux pasteurs. Bazola Nanga. Ou bah, même Koufi à Bethel. Non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je ne peux pas les élever à ce niveau-là. Vous voyez. Et moi, j'ai trouvé Bethel en pleine crise. J'ai pris Bethel. Et vous savez comment j'ai pris Bethel? Nalobango, Nabatnyo, et je profite de ton émission. Merci. Il y avait une réunion. Mon père est rentré de l'Europe à l'époque, je suis déjà pasteur assistant, comme chez nous on appelle prédicateur. Mon père a organisé une réunion, il pleurait en pleine réunion. Il disait, église et koufi, na salanine. Il y avait plusieurs personnes, je peux même citer leur nom, oui. Si vous voulez. Oui. Il y avait des diacres comme Kimbondo, que tout le monde connaît. Il y avait même le pasteur Ignace qui m'a formé, que les gens connaissent. Il y avait même celui qui était avant moi, l'évangéliste Stewa. Il y avait tout ce monde-là. La réunion Zaki, il y avait 15 personnes. On dit, tout ça, nini pour l'église. Bah, tu dit, non, tu as organisé 40 jours de prière, et bien d'arabatou, tu as organisé un séminaire, tu as péché ma parole. J'ai regardé mon père dans les yeux. Je lui ai dit, donne-moi l'église. Carrément. Et là, on a le bateau, on a le bien, mon côté à Koufa. D'accord. Bah, on y est vivant. Bah, contredire. J'ai regardé mon père dans les yeux, j'ai dit, donne-moi l'église. Mon père m'a regardé, il a dit, Moïse, toi, tu es intelligent, Dieu t'a donné l'intelligence, mais ce n'est pas le moment. A tout mis sous question, tout ça anime. A tout mis sous pendant FC, donne-moi l'église. Il m'a dit, bon, je vais te donner le côté administratif de l'église. Parce que tu sais organiser, tu es un organisateur. Je lui ai dit, papa, j'ai pas besoin de ça, donne-moi l'église. Mon père a refusé en pleine réunion. Et tu sais pour que j'aie l'église, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, donne-moi l'église et donne-moi 6 mois. Si ça marche pas, je laisse. Mon père a demandé à toutes ces personnes, on atteint Kombo. Vous êtes d'accord? Oui, on essaye.
C'est comme ça que moi je suis devenu pasteur. Ah. Et tu vois, parce qu'on a eu quand deux fois na TV, bah toi là-bas, papa naya format. Mais habitude de venir à Congo. Voilà, parce que ils a habitude d'engager, y a collé car na TV koloba. Et puis toi na yo kakango, nanda kuna sekaka. Je suis devenu pasteur, même mon père est surpris. Tous les jours, mon père, quand il voit ce que je fais. D'ailleurs, pour ce tali ministère nanga, na ministère papa nanga, c'est deux choses différentes. Donc pour te dire que j'ai commencé avec Dieu seul. Moi, je dormais dans Ngomba chaque vendredi, na kita dimanche. Chaque semaine, na mangé ngenge. Je fais des sacrifices énormes. Que beaucoup de gens, ne feront pas. Aujourd'hui, les gens voient Moïse Mbi et après, oh, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais les sacrifices que moi j'ai fait, beaucoup qui sont aujourd'hui en train de faire de bruit là, ne l'ont pas fait. Nous, on a gêné, maladie à colon. Donc, na lia kate, tina beli, colon. Na ki hôpital, docteur Efsinga, si tu veux vivre, monsieur, mange. Moi, j'ai atteint ce niveau. On me soupçonnait même qu'il y avait la cancer et la colon. Moi, je suis devenu pasteur comme ça. Et puis, pour ton information, on a vu l'église avant décembre, on dit « ti n'importe l'église ». Est-ce que c'est pas ce qu'on dit mouchoir? Mouchoir. Assurance, non, il y a l'église, et puis voilà. Non, assurance, non, il y a l'église qui est basée dans la vision de l'église. Donc, ma vision de la bande est qu'on soit Kala. Et bande qui est coïncidé que période de Tokomaki et Kokana n'a pas vision. Et on a dit, ah, c'est le moment. Et c'est comme ça que j'ai demandé et je suis devenu pasteur jusqu'aujourd'hui. Bon, j'avais dit à mon père, si j'échoue, je laisse. Mais si j'ai réussi, je reste. Et jusque-là, j'ai réussi. On va parler de cet album Héros. Au pandémie, qu'est-ce qu'il est? Non, il y a. Oh, après ces points. Ah. Alors, on va parler de l'album Héros, un album qui fait parler d'elle-même. C'est vrai que cet album, aujourd'hui, il n'y a rien à prouver. Félicitations, je dirais. Album Oyo et Bimi, album Oyo, Ezo Sala. Mais avant, on répond à l'album Oyo. Est-ce que, dans le fort intérieur, ça t'est déjà arrivé quelque part où Vandi consciemment, tu t'es dit, il y a une erreur Oyo Sala P déjà, ou Etikala Yo, et que tu t'es dit un jour, au Luko Bongisango, mais il est là, yo. Une erreur dans la carrière, dans la liée à ma musique. Oui. Ouf. On commet tous des erreurs. Ça, c'est une vérité. Mais après, erreur, moko, y a que, na lobby, que, na zo salé lo kwa boye nanko, ton au kende, ko simba ki, si ton ni, en tout cas, ça, non. Berreur, na sala, oui, peut-être, son koto, na zo kanobi, a koto, guitare basse, leki. Na aucun album na bi ya so tozongi lilobo peut-être dena lobaki yé sous soit le comme je pouvais dire yé sous tombama. Il y a des choses comme ça, un artiste basaka souvent ba éternel insatisfait. Mais ben erreur oyo ya ona yo kana banzela na Kinshasa wa nanga mona kamoka. On s'attendait qui na retour ya album Ndenge Salami na par rapport à réussite. Oui, parce que cet album... C'était quoi ton assurance? Mon assurance, c'est que pendant que j'étais en train de réaliser cet album, Dieu m'avait donné beaucoup de conditions d'abord. Dieu m'avait dit, je veux que cet album m'appartienne. Alors veille du début à la fin sur la pureté de cet album. Ça, ce sont les paroles Onzamba Ibisenga. Et j'ai commencé mon album calmement. Et la plupart, il y a Banze Mbouzana Kret, cet album, ce ne sont pas des chansons que j'ai écrites. Ça m'arrive souvent d'entendre les anges chanter. D'entendre, oui, très souvent. Attends la voiture, souvent j'aime conduire seul parce que deux fois j'entends des chansons en volant. Donc, alors tout ça,
Dieu me disait, Moïse, tu seras surpris de ce que tu verras en album. Étant en Abimisiango, je n'ai pas fait des efforts. J'ai juste essayé de veiller sur la qualité et la pureté. Et voilà, je savais que ça allait réussir. Et réussite, il y a album. S'il faudra dédier cet album à quelqu'un qui, selon toi, tu penses qu'il a beaucoup contribué pour la réussite justement de cet album, c'est qui? Ouf. Dieu, d'abord, ça sera Dieu, c'est clair. Et après, une personne qui a beaucoup contribué, je parlerai des musiciens qui m'ont accompagné. Deux fois, Tondo Travaiti, Minuit. C'est eux. J'ai écrit mes chansons et puis eux ont travaillé avec moi et Dieu. Voilà. Pasteur Moïse Mbeye, prêt à répondre à toutes nos questions? Pas toutes les questions. Ma question, on a ma... Oh, on m'a dit qu'on répond. Yo, quand on a la question, on s'ouvre peut-être. Il fait les accords. Mais là, la question. Non, mais justement. Ah, voilà. Autour de la question, on m'a dit qu'on répond. Mais tant qu'on a le bas, on a un gelou, on a un yemba. Ah, voilà. Et on a un gelou. Tant qu'on a un gelou, on a un yemba. Yo, yebi, il fait le nez. Yo, yebi, un gelou. Mais oui. Oh, il boussou galata inden. Tunanda Balobi, ça c'est un vrai païen. Ah non. Oui, le papa là. Oh, bah, non, mais bon. Il fait le Zalara. Oui, bien sûr. L'enfer existe. Fait le Zalara. L'enfer existe. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que ça a un plaisir. Nous allons regarder un de vos clips de cet album Héros. Oui. Je me réjouis à la yo, mais au dédié nzembo pas mutu moko, parce que ce sont des fêtes, parce qu'il y a tout. Vous allez demander, on va suivre ces clips, mais je voudrais que vous puissiez dédier cette chanson à une seule personne. C'est de mon choix. Oui. La personne qui vous vient en tête là. Je parlerai directement de ma sœur, Mami Mbeye, et de son fils Triomphe. On va regarder ces clips, fidèles téléspectateurs, et dès qu'on revient, faites-moi confiance, apparemment le pasteur est prêt. Ma question, Nyonso Bolingabo Tuna, c'est tout à l'heure, on regarde, on se retrouve tout à l'heure. Vous allez vous contacter à ma banque, hein, à ma bande passante, parce qu'il y a à boire et à manger. Pasteur, Nabo Singe, apparemment tu roumais là, au Yano Awa, place on a l'ina, ou bien, il y a la place au Tonga. Voilà. Parce que plaisir à place eux. Et dans la net, tous les coups sont permis. Ok. Mais vraiment, on doit se sentir à l'aise. Ah, il y a un net, il y a un bisou, un bêta ma solo. Est-ce que vous place à Otonga? Ok. On peut dans ma voie, ma cassité. Est-ce que vous avez de même avis que Nanzé Motang, on a à la place de Jésus? Non, c'est faux. Pasteur. Oui, c'est faux. Oui, il y a solo, papy, c'est faux. Entre nous, on dit les autres, on a une famille. Koloba Gege. Non, mais déjà de nature, je suis je suis comme ça. Je suis la seule erreur, je dirais. On a suivi tous ben émission. Parce que nous prononçons Jésus, nous prononçons Kuna. Voilà. Kuna, vous avez bien tes jours. Non. En tout cas, j'étais en train de crier. J'ai dit, sors au nom de Jésus. Et même dans mon église, et pour vous dire d'ailleurs, c'est pas avant même que l'album Ebima, que j'entende Gégé, il y a un jour, l'un de prédicateurs dans mon église est venu me dire, pasteur, il y a un ami à moi qui a dit, ah! Parce que Nabino Lia Loba, Jésus Lobaka, Jésus, Moussa l'attention, Jésus, Hana, Ezako Komoka Zakasui, Nambanzamu, Moussouki Wapi. Oh, oui. L'église. Oui. Mon propre prédicateur m'a dit ça. Et après, Naoki Ango, bon. Après. Je vous entends, Moussa, l'analyse, coïncidence, Wana, Gégé, qui apparaîtrait comme une divinité satanique. C'est juste, bah, une balade, Isayo. Non, j'étais avec Nati Lokole, à Sali, à analyse, Abisinabi, mais pasteur. En tout cas, tout l'ouki gégé n'a pas site internet par tout au monde en côté et ça n'existe pas. C'est quoi? Vous rappelez qu'on sent qu'il y a un clip na yo et l'obi sape moi même qui t'il est l'eau. Oui, ça fait parler. Ça suscite beaucoup de soupçons. Je sais. Et Dani?
Je vais autant retourner ma clip en haut, ma image. Image nettine. Oh, bah, c'est le calcul, étoile, lissou. Voilà, ce que lissou en haut, bah, ils ont fait la clip dans la to. Vous savez, Makambu Nanga ya Moïse Mbiye Azanganga, et Bandi na clip Nanga ya Losambo. Losambo na bala et tout ça. Avant de poser question à Monda na Yembi, on n'a pas cité. Oui. Alors, vous savez, Nabutu, Nabutu, tango clip Elingé et Bimi, Mukolomoko na vandi na tongo, Mutumokaza na Paris, à Beningai. Alobi, alobi, pasteur, j'étais aujourd'hui na na chaîne Moko na Paris, na chaîne News à Canada Internet. Abi, lelo na poko. Bon, ça lelo komoko, bon bimisa. Bah, clip na yo, bah, tchango, bah, signe belé, okay. Ils vont faire ça ce soir même. Nazara Kiwana, pendant que bah, le bango, et j'ai même moi-même vu. Effectivement, à 18h, la monnaie est lumine. Bah, tchango, na bah, nyoka, na lati, bah, nyoka, nana, na simba, ta nyoka, bo, ete, na vie, nanga. Vous voyez? Donc, tout ça, et ce sont des gens que je connais. Mm-hmm. Je connais très bien, d'ailleurs. Et puis, moi, je les ai pardonnés, c'est bon. Pasteur. Mm. Non, bien. Conscient et basse et balinga autre. En tout cas, c'est la salle. Non, c'est ce que je dis. Oh, on a dit que, en tout cas, les hommes. C'est ce que j'ai dit. Lobby, les hommes, mais c'est ça. On va généraliser. On aura conscient et basse et la autre. Basse et la moussa, la saka mingi. Dans mon tout, hein. Ah, mon tout, je pense pas. Soit ils auront tourné dans tout latin. Ok. Et tous les linaïo. Est-ce que. Où c'est qu'il y a déjà pour moi? Tout là. Non, bien. Oui. Et tous les linaïo, Yomurocha, on a dimensionné. Et tous les linaïo, on a pensé à ce qui est Bassaline et République, Mouroy Abitoula. Et qui est la cause à la première ministre? La cause à la première ministre, Chibala Abitoula. C'est quoi, tout là pour moi? Ah, pour papa, c'est Père Mangata. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas où répondre, en dernier, oui. Qu'au fait, au banga au bala, pour bandimi, baroki, mais église. Bon, en tout cas, na église, nanga siko na zakaya, moko na vandi, na otala na omona, ba papa moko na basuki a pembe, na otala ba mama moko boe, ba koki oza ba mama nanga. So na mitu na so bango pe, ba ya raka po na, na bala bango. Mais bien, nous avons eu succès dans l'église, nous avons eu un bal. Donc, pour dire, nous avons eu un bal. Mais il faut vous prêcher un exemple. Les gens parlent toujours, vous savez, les gens parlent toujours. Et je suis même sûr que le jour où je vais me marier, il y aura encore beaucoup de gens dans l'église. Très sûr. Ah, t'es émission, l'image est égale. Oui, gardez-nous, nous avons eu un bal. Ah. Déjà, est-ce que célibat n'a pas détecté sur l'album? Mwanda mbupe. Non. Non, bien, c'est là. Oba dba yogate. Kombo gazi ya chéri nani. Kombo ya nani? Fiancé. Non, nga za célibataire, nga za loyauté. Hein? Odo da fiancé te? Nga za loyauté. Non, même pas fiancé. Nga za loyauté. Nga nani? Yo? Hein? Yo, zo tambola tambola, tu zo kaba sangono a partout. Pas de problème, ya yo goutou. Tika to yo kote. Tala. Te, mena bien, tous en homme sérieux. Non, je suis célibataire. Moto sa boue. Nga na otan a kombo ya. Copine, parce qu'on a fait un fiancé. Il y a un copine. Oui, vous avez dit. Qu'est-ce que vous dit? Parce que c'est la nuit. Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez pasteur, tout est en moi sérieux. Oui. Et là, on peut déjà traquer dans les réseaux sociaux que vous avez dit que c'est passé pour moi. En tout cas, merci d'ailleurs pour la question, Anna. J'en souffre, Papi Mboma. Ah bon? J'en souffre. Nakoma Kango même, na ba Facebook, tout ça. Mais tellement que bon, na ça, quand même, émission militaire, j'en profite.
na lobe na mon émission et ça na réseau moko oyo bazo lia bana basimbongo oh oui ba lia bana basimbongo nga moko nakutani ta ba place na lela ba lia ba mibalité bana bazo lia bana basimbongo parce il y a des garçons j'apprends que misou bazana Maroc système moko ya que Naza Moïse Mbie, babandi bobandi bolingo na Moïse Mbie wana. Après comme sur Moïse Mbie show, il faut naza na babilo comme que font la team d'assaut qui na Maroc. Il y en a même qui ont envoyé 30 000 euros, beaucoup d'argent. Au biso peut-être n'existe aux Oluka. Ce que tu lis même l'internet, il y a des gens. Oh Moïse Mbie escroqué moi si moko, bon on a 13 000 euros. Moïse escroqué moi si moko. Toutes ces femmes n'aiment pas à mon côté. Bas si on gope, ce qui Moïse Mbie zolingo. Ça là, il y a un appel vidéo, tout le monde est bon. Ok, donc on a un appel vidéo, alors qui a ça occupé. Je reçois parfois à Kinshasa ici des femmes comme ça. Au moins, il y a un salon qui est bon. Parce qu'on a un autre tal. Maman, tu es bon. 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 Oui. Oui, je vous dis. Dans un des Moïse Bi, il y a solo là, il y a solo là, solo là, ici, à combat, comme à Bolingo. Et puis, alors quand il s'est vous voyez. Ah kaka na on il y a nazaï na concert na showbuzz. OK. Voilà, il y a des gens encore qu'on a reçus comme ça qui sont venus de voilà. Comment vous faites quand ça arrive comme ça et que clairement. Je leur parle clairement, je leur dis écoutez, soyez prudents, Facebook yanga ezaka moko. Moi je suis pasteur, moi je suis la réserve de l'Éternel. Oh bah je suis pas mon aka. Monsieur Zaté, ceux qui m'ont salué aux demandes. Parce comment ils font Bazolanda, ah, moi, si on a l'ingamis comme Moïse Mbie, puis à salier de monde. Et lorsque la personne voit Moïse Mbie à salier de monde, à Nzimi, à Babandi Kolia et Bambonaï. Mesdames, Batoualia, Rabino, Mbongwana, ce sont des escrocs. Ça n'a jamais été Moïse Mbie. Moukona Rosana, Naposa, Yambong, Naobinga Bueto, Naobime Longa Moko, Nasengi. Vous voyez? Mais c'est pas moi. Si vous souhaitez écouter, moi, je suis à Bongo Pekasi. Parce que Kroka qui est Kuna, na Moïse Mbie. En tout cas, en tout cas, Congo pour Nzambala qui si, babanga souste le bana na Congo. Oh, on dirait Nzambala qui sera bino. Biso andimi, Nzambala qui sera biso te que sur Nzambala qui c'est que il aura yo mobile à vina. Non, mais Nzambala, moi je pense que le mariage, oui, il y a Dieu qui intervient. Je pense que c'est une affaire de feeling aussi. Il faut yeba muto. Parce que ce n'est pas Dieu qui viendra vivre avec cette femme ou cet homme. Ouais, bah, quelqu'un peut venir aujourd'hui. Papi Mbo, ma Zambala qui s'en a qui est de mon balai à Finangaï. Aïe, biote, aïe, bi comportement. Non, t'as mon aucun à TV. Aucun sa qui est d'un coup de bandeau simbélé qu'à micro boué. Or, c'est autre chose. Vous voyez, moi je pense que c'est une grosse erreur que les dames font souvent. Peut-être s'il faut attendre ma combo na aimé. On est sur cette terre. Oui. Vous voyez, on a rencontré des gens dans la vie et voilà et puis voilà c'est passé. Est-ce qu'il faut commencer en pas d'abord, ça sera un manque de respect pour Nabango. Oh, oui, gloire à Dieu. Oui, ça sera un manque de respect. On peut parler de ça, non bien. Non, ça sera un manque de respect. On ne peut pas commencer à parler pour Namoutou Boye, 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 Boye. Je suis un Quinois. J'ai servi Dieu depuis mon enfance. On a rencontré des gens, vous voyez, dans notre parcours. Okay. Et voilà, mais après. Il y a des gens qu'on a rencontrés quand on était enfant, quand on avait, je ne sais pas, 18 ans, des choses comme ça. Est-ce qu'il faut se mettre à parler des gens et l'on y a ça là, moi, qui est en jeunesse, non Chimbo, qui bière. Malheureusement, pour Nanga, depuis Nabotama, Namela, bière, thé, Namela, Chimbo, thé, Nassimba, Watana, Libo. Au côté Bandoul, thé. Comme on dit, concert. Non, non, même pas. Au Dana, ma master Bandoulman. Oui, Nazaki, Naba, Ami, Oyo, Balingaï, Musique, Mingi, Banabondal. Destiné. Parce que moi j'ai un moment j'ai grandi à Limete, devant nous fréquenter mini studio Meko. Okay. Vous voyez, il y a Monsieur Luyonema. Luyonema. On était tous là, on était là Naba. John Missitu, l'ingénieur. Okay. Ouais. Il y avait beaucoup de musiciens. Qui venaient là. En tout cas, c'est tous les musiciens qui venaient. Studio Meko, c'était le plus grand à l'époque. C'était qui ton favori à l'époque, hein? Je ne dis pas maintenant là.
À l'époque, ouais. La mission Babandé Koya Kuna. Ah, favori, non. Ça... non. Réserve de l'éternel oui. Penda. Dans la réserve, il y a question non, et non, y a réponse. Non, je ne vois pas quelqu'un qui m'a. Oh, Navanda Kinalobi, lui ou non. Non, pas du tout. On va souffler, le Lobo Nano, on va regarder vos spectacles qu'on okay. va voir tout à l'heure. Mais j'aimerais quand même, dans moi dimanche, okay. vous savez sur moi plaisir, il y a moi. Okay. Je ne sais pas, moi qui appelle la main, il y a Monsonga Lingawana. Tant que l'Obara, naïebi ndenge bandaka. Naïebi pendenge soukaka. Et bandaka baolou ke langa ba problème. Et soukaka, ngane na longi. On va l'Oba sur Rio. Ngaï benza. Nando milo, naïebi. Et banda qui va le kilan va problème sera pe batios va monique va le kilan va problème et sui kanga ni la longue. Quoi sur longue? Na longue ma casse. Mais tu qui peux non t'es? Mais bah tu qui t'es mais baso ce qu'on y est sanga ata remonta d'ango vraiment. Oh matches au bête ma tous à dans na 50 à 0 tu comme il a 85e minute boli qui a quand a remonta d'até remonta d'até na longue déjà. Un acapella rapidement il y a un zéro zéro là haut. Ah, ok. Alongo la kasoni, zambalole, asala kanangonga, natango na ye, banje lubabe tangonga. Ah, ya ya ye, banje lubabe tangonga, natango na ye. On va regarder le savoir-faire du pasteur Moïse Mbili, fidèle téléspectateur. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission Beyond Music. On regarde. Nous sommes ici au Char Club pour assister à ces grands concerts de pasteur Moïse Mbili et l'artiste musicien qui s'est produit pour présenter son album Hero qui est déjà sur le marché du disque depuis 4 mois. Ici, le public est venu pour assister, pour déguster ce que Moïse Mbili est venu présenter à son public qui consomme, qui continue à consommer son album qui fait rage. Attends. Je suis là à 14h, j'ai même pas de place. Donc je devais être ici normalement à 10h. Avec tout ce qui se passe, on va montrer au diable que le diable a échoué. Ah mais c'est une première, hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Et oui, pourquoi pas. Je trouve que c'est, il y a quand même beaucoup d'inspiration. C'est, sont des bons morceaux de louange et d'adoration. Les chansons sont tellement bonnes. Et ça édifie beaucoup, voilà pourquoi je suis là. Je manque le mot, c'est-à-dire que Jésus était au rendez-vous. C'est vraiment magnifique, c'est génial. Dieu soit loué, c'est vraiment bien. C'est un concert, je dis. Jésus est tellement bien. Char Club dans la commune de la Gombe de Cœur Moutchoupaï pour les comptes des Silo et TV. Voilà, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Et nous vous disons encore bonne année, hein, donc meilleurs vœux. Il y a tellement de messages. Un grand merci à Ted Tendai, merci au PDG Fernand Massala, merci à King Makiadi, Willy Moucheni, tous les amis, je vous dis un grand merci. Pasteur, téléphone n'est pas en zone. Faites la réaction des gens. Plaisir, mon tour, non, peut vous dire, pas pasteur. Sous réponse, non, des sangs à bien. Ok. À Tounien, un berger célibataire est un bon exemple pour l'église. D'abord, il faudrait faire la part de choses. Il faudrait savoir c'est quoi les priorités et pourquoi tu es là et c'est quoi la mission que l'Éternel t'a confiée. Vous voyez?
y en a qui ont reçu des missions pour Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ça dépend de la mission que l'Éternel t'a confiée. Et même si Dieu voulait que je reste célibataire jusqu'à ma mort, cela ne m'empêchera pas d'être le pasteur Moïse Mbié que je suis ou d'être le pasteur Moïse Mbié que je serai demain. Les gens sont dans la confusion. Vous voyez, il y a des choses essentielles qui font la force d'un ministère. Vous voyez, le mariage, c'est bien, il faut se marier pour l'équilibre dans la vie, pour être un exemple pour les jeunes, pour tout ça, c'est très important. Mais après, est-ce que c'est une condition pour être pasteur? Non, ce n'est pas une condition. Vous voyez, donc il faudrait mettre ça dans les têtes de gens, parce qu'il y en a qui, je vois beaucoup d'émissions ici, yo pasteur célibataire, mais après. Soutenir tes amis bien. Mais oui, on doit se dire de vérité parce que dans ces pays, il y a eu même un moment où on regardait plus aux compétences. Pour Nako, Matsam Tupo, c'est l'entreprise. Les pays, ils ont qui réduit un niveau à cœur. Il y a Bala, Tupé, ça y est, poste à Mounen. C'est ainsi que tout le monde a bêtise, nous sommes seulement dans l'entreprise. Parce qu'on pensait que le mariage, c'est une assurance, le mariage rend l'homme stable. Mais il y a combien de divorcés aujourd'hui? Et combien de mariés sont les plus instables même dans ce monde? La plupart des jeunes filles célibataires, des hommes célibataires sont d'ailleurs plus concentrés dans des entreprises. Vous voyez? Moi, c'est juste que il faut évoluer dans la vie. Il ne faut pas rester sur des choses. Voilà, il y a des choses qui sont essentielles. Il faut voir les compétences de la personne. Moi, aujourd'hui, je vois quelqu'un qui vient à mes côtés. La personne est célibataire, mais la personne est compétente. Et il y a un marié qui est incompétent. En tout cas, je travaillerai avec les célibataires compétents. C'est les résultats, vous voyez, dans le travail, les sérieux qui comptent. Et puis voilà, et combien de pasteurs célibataires font des dégâts dans ces pays que nous connaissons tous, que nous célibataires, on n'a pas fait. Vous voyez, il faut arrêter. On vient un peu parler, il y a le ministère Nabino Pays, heureusement, tous en aïeux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, personnellement, pasteur Moïse Mbié, avez-vous aussi remarqué des faux pasteurs et faux prophètes qui se livrent dans des pratiques occultes? Sûrement, il y a de faux. Sûrement. Parce que là où il y a des vrais, il y aura toujours de faux. Là où il y a une lumière, il y aura toujours un ténèbre quelque part. Mais j'ai toujours fait un effort dans ma vie de voir le bon côté des gens. Je ne sais pas, ça vous arrive de lire la Bible un jour. Soyez prudent comme les serpents. Parce qu'une sœur est venue dans mon église. Confusion totale. Pasteur Bisson Stoibi Kenyo Kandea a séduit qui Eve dans le jardin d'Eden. Ce que vous dites, il y a ce exemple qui est à la source ou prudent comme les serpents. J'ai répondu à la sœur, j'ai dit Jésus était tellement bon qu'il était capable de voir même une seule qualité du serpent. Donc derrière le venin, derrière Mama Benenyoso, il a quand même vu que les serpents, malgré le venin, malgré tout ça, il y a quelque chose en lui, c'est la prudence. Donc moi, j'aime rester sur les bons côtés des gens. J'aime pas prendre mon temps, passer mon temps à regarder à la taki boye, à la taki chenet mokoboye, à salaki boye, à simba ki boye. Combien de pasteurs ont insulté hier et aujourd'hui sont en train de faire les choses que Bakondana qui hier. Vous voyez, dans les choses de Dieu, la révélation est évolutive. On apprend tous les jours. Il y a des choses que Dieu ne te révèle pas aujourd'hui, il te révélera après 5 ans. La bouche qui parle beaucoup pêche beaucoup. Je remarque sûrement, ça c'est la première raison, oui. Je reste sur les bonnes choses de gens. La deuxième raison c'est que même si j'ai remarqué aujourd'hui un pasteur sorcier a olukanami sunanga boye a longoli bilamba mutakala azoloka pasteur Papi Mboma, c'est pas ici à Biwan que je viendrai le dire. Je chercherai ce pasteur là. Je lui dirai mon frère tala nazana preuve yango. Vous voyez, et même si je ferais une prédication pour dénoncer, je le ferai de manière à ne pas l'humilier. Parce que mon souci, c'est de gagner une âme. Mon souci, c'est que cette personne se convertisse. Mon souci, ce n'est pas de faire de lui un adversaire, mais faire de lui un disciple. Moi, c'est pas, et ça sera jamais à la télé que je viendrai parler de faux. Des faux pasteurs, ça sera pas ici. Donc mais s'il faudra ce qu'on gagne à Sungayo, un rotangela quoi, bah comment va pasteur, il se regarde bien au tchenga boy. Pas de problème. Faut, on y va. Au tchapé boy. Nasi on au tchaka ba boyka.
C'est ce qui peut être mot à moi boué. Au fait, le but noté, on doit bouger là. En tout cas, non, tika la canne à bon côté na bango. C'est pas mon ministère à moi. Je pense que ça, parce que le lot, ils en a battu, bah, jeunes, de pasteurs, de vieux, comme des jeunes, qui se lèvent le matin, le but. Ils en bappé singa, moussala ya kofi nga ka abattu. De yen zamba bengi, pour atchen na moukili, pour finga ka abaninga. Je n'en comprends tout ma ministère en côté, mais moi je pense pas que dans un ministère on a un ministère dans les arts qu'on relève bateau qu'on salabola mou na ba prédication n'a pas peine à baser mon pasteur. Que dites-vous de ceux qui disent que évangile y a l'élo et comment beaucoup plus qu'on est à côté à qu'on a qui s'accorde à bateau qu'on y a une église et ça libala qu'on y a une église offrande faut s'aimer dîme et autres, c'est comme si le pauvre, son service, beaucoup plus à ma pasteur, parce que, na, foi naïe, à zo luka, justement, les bikiwana. Oga pasteur aïe, yé libanda garé range, tant ou prière et si li, bandimi, babanima koloti kingasani, pasteur a démarré à kei, les autres disent même, ba mounek église nenge bandaki, mais après, est-ce que, aujourd'hui, vous pouvez être de même avis qu'il y a des pasteurs qui exploitent bandimi? Bon, ça peut exister. Il y a toujours exception, ça peut exister. Mais aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est que mingi ba pasteur mingi otomonaka ba ke musika ba évoluer, la plupart ba vivana ba offrande. Et d'ailleurs, pour ton information, ça arrive que ba pasteur mususu ba se belé pour ne pas dire moi. Ça ba pasteur mususu ko bando yamba batu. Par exemple, la tier journée ko yamba un mercredi. Mercredi, il y a peut-être 80% de côté dans le bureau, il y a 20% quand il y a un problème, ça met la problème. Nous sommes même 90%. Vous voyez, les gens ne connaissent pas ces vérités-là. Il y a des pasteurs aussi qui sont chefs d'entreprise, il y a des pasteurs qui travaillent, il y a des pasteurs qui ne sont pas moulins, ils ne sont pas. Vous voyez, quelqu'un va me voir aujourd'hui avec une belle voiture. Moi, par exemple, je peux m'acheter une belle voiture. Au tout cas, le Katam a créé les mots en église dans la tête. Ils savent que notre pasteur ne vit pas de ça. Il ne vit pas de ça. Vous voyez, on a été intelligent, on a su investir, on a su faire beaucoup de choses aujourd'hui qui font qu'on avance. Vous voyez, il y a beaucoup de pasteurs comme ça. Le lom, tout le monde a un pasteur à Tindi Moisine Napoto. Eh, bambonga ma bonza. Peko la mila mouton a zo bambonga ma bonza. Moso, tali ma bonza tchaka. Vous voyez. Les gens parlent beaucoup, c'est ça, entre guillemets, la quinoiserie, mais il y a des pasteurs qui travaillent pour exploiter, pour aller à pourquoi. Mais il y en a aussi qui, au moins, l'église est télémi batongi, mais peut-être, dans l'église, il y en a 80%, il y a moins de approches à pasteur. Alors, vous allez devoir nous aider. Oui. Maintenant, heureusement pour nous, on a plateau. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les pasteurs. Oui. Ouf. Ça, c'est une très belle question. Travailler au Congo comme pasteur, c'est pas facile. C'est déjà pas facile parce qu'il y a pas mal d'hypocrisie. Les gens ne sont pas sincères. Aujourd'hui, le pasteur n'est pas seulement celui qui prépare les gens pour le royaume, mais il est même un éducateur. Bonjour, parce que la famille n'a pas moyen de l'engoter. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ça. Mais après, beaucoup de pasteurs sont en train de mourir jeunes, le stress. Et très souvent, les fidèles ne se rendent pas compte. C'est un travail stressant. Tous les jours, tu te lèves, tu réalises que mi lema ya batu ba am ya batu eza charge na yo soki a bébé yo soka bungi yo na maboko na yo. C'est stress là et souvent les pasteurs ne sont pas soutenus, ne sont pas accompagnés. Est-ce que je dois me mettre à parler du pays? Parce que s'il faut parler du pays, en tout cas voilà. Mais après chaque pasteur, ça dépend na place azali, ça dépend na ba réalité ya ministère naye, mais chaque pasteur a de problèmes particuliers. Moussou ekoza la ba problème moko logistique, moussou ba problème moko familial, voilà. Et puis la plus grande chose, c'est que quand tu es réellement appelé par Dieu, tu deviens une cible. Il y
Il y a des signes qui montrent vraiment quand on est appelé par Dieu, par exemple. La Bible dit on reconnaît par le fruit. Vous voyez, il y a de petites choses, par exemple l'amour seulement. Ouais, et ça va pasteur mususu sutina ote o nandinga ote o muna eno ka poso kima. Au bangiso. Voyez? Moi le premier signe, il y a baoba bengama na nzambe, c'est d'abord l'amour. Deuxième signe, il y a baoba bengama na nzambe, c'est le respect de choses sacrées. Au moins qui a respecté ka bato ba sacré, a respecté pe biloko eza sacré. Quand tu vois des gens mutayer abanjuluba, église nenini, pasteur wana nenini, il faut faire attention. Ta relation avec les autres pasteurs? Il y a pas un seul, je dis bien un seul pasteur dans ce monde. Et même, je vais aller plus loin encore, musicien. Je vais aller plus loin, politicien. Je vais aller plus loin, journaliste. Donc, il n'y a pas un seul qui peut se lever aujourd'hui et dire j'ai un problème particulièrement avec Moïse Mbi, Asala Kingaboué, toi, Joa Kingaboué. Azate. 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 Vous avez bien. N'a rien à problème dans mon tout dans mon qui dit. Mais dans un problème na yo. En tout cas, mon tout pas un problème na ngaté. Vous savez na Congo toi na problème toi na ba adversaire imaginaire. Mon tout moi ko là là à la mouki, à commission adverse. Imaginez ka que azay adversaire ne pire commission ya solo. Mon ya ba dio final. Mon ya ini yo, vous voyez. Il y a ça, mais quelqu'un peut imaginer que je suis son adversaire. Ça, c'est lui, mais moi, je sais. On a pris par les temps, lentement, sûrement vers la fin, mais bon, rapidement, on va passer à un jeu de questions-réponses, mais rapidement. Vous avez un artiste musicien, Obo Salané, genre à musique, au Moko, je dirais. Oyo, vous avez rappelé fanatique, Naé. Tout le monde sait que je. Ah! Moutio, ça a eu réponse, Nanga, alors voilà. Tout le monde a eu réponse. Tout le monde est. C'est Mike Alambay. Je suis fan de Mike Alambay. Pour gagner un concours. Gagner un concours, à Kochangai, à Edanga Mingi dans ma vie. Et pour moi, c'est un artiste complet. C'est un très grand chanteur. Incroyable. Alors, que penses-tu de ceux qui disent que Ozo coûtait cher dans ma production? C'est vrai. On dit mais. Oui, c'est vrai. Tu coûtes cher. Ça fait moi un bled, pasteur. Non, c'est vrai, je coûte cher. Pasteur Boma. C'est vrai, je coûte cher. Et pourquoi? Parce que je connais la valeur de mon art, parce que je ne veux pas me faire exploiter, d'abord, et parce que je suis fatigué. Alors, fatigué de voir des gens croire que, parce qu'on est serviteur de Dieu, on ne peut pas vivre de son travail. Moi, parmi les gens qui m'accompagnent, il y a par exemple des professeurs de musique qui m'accompagnent. C'est-à-dire, atteigne sarana ina. Moussala nae ou atteigne li classe. Eza musique. Pourquoi tu veux que cette personne vienne? Aya kose la nzambe. Et puis, aya kose la nzambe dans un concert où les gens payent l'argent. Et puis, abimi avec de miettes. Pourquoi? Moi, je suis fier aujourd'hui de vous dire que tous les musiciens qui m'accompagnent sont véhiculés, par exemple. Ah bon? Tous. Il n'y a pas un seul musicien qui est de Moïse Mbiye au Komone Naré de bus. Moi, la force, n'a pas. Ah, ça, c'est ce que tu dis. Mais voilà. On ne fera pas l'orgueil ici. L'orgueil était la force, n'a pas quand même. On atteint une dimension où on n'a plus rien envie. Et moi, c'est ça ma lutte. C'est ça ma lutte. Le musicien chrétien n'est pas le petit. Le musicien chrétien n'est pas celui qui mérite les miettes. S'il fait bien son travail, moi j'ai fait un album. Aujourd'hui, désolé de le dire, vraiment c'est... Il y a aussi des albums de musiciens qu'on appelle populaires, ou peut-être Kokanina Oyangate. Alors, je ne vois pas pourquoi. Je viendrai comme ça, on fait un concert, et puis le même producteur lui donne, je ne sais pas, 2 dollars et on a Pessina 50 centimes. Pourquoi? Juste parce que je suis chrétien. Si j'ai le moyen de bien négocier mes contrats et que ça me fasse avancer dans la vie, ce n'est pas un problème. J'encourage même le jeune à apprendre à négocier leurs contrats. Il ne faut pas parce que tu es chrétien, autant pour la Kamutua Kokita, Olobake, Nazamouke, Nazamouke. Dieu t'a donné un don pour que ces dons-là soient une bénédiction pour toi. Maintenant, il faut savoir négocier ce contrat.
Moi, je négocie bien mes contrats. Mais tu as une place en soupe, au bon micarat. Non, la contre, les lobapé, gros simba. Papa, moi, je fais mon album Champion Héros. C'est le titre, c'est Héros, cet album. Et vous savez, mon premier concert, je l'ai fait dans un orphelinat à Massina. Na kenda oyembe la bana, ba orphelin. Est-ce que les gens le savent? Mais il y a des images, mais on n'en parle pas. Soit Moni Moïse Bia, à Betty Concert, na Divo, na 50. Ouais, mais tu as pu faire les côtés. Bah voilà, na kenda ka, deux fois, na ki oyembe la ba orphelin. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Est-ce que parce que je suis un musicien chrétien, on travaille dur. Tu es de même avis aussi que musique chrétienne, ou musique jijango peu profane, ou nous c'est dans la musique. Nous c'est dans la musique, c'est vrai, mais on n'a pas les mêmes objectifs okay. Et on n'a pas le même thème. Le Lopogo Sal a invité frère Fali na moi featuring now. Ça dépend. Tony Toye Manin. Zimbot. Oh you Imbani. Tony Toye Manin tini Dieu ya Muse. Yoyembani. Ah voilà, c'est ça le problème. On veut chanter quoi? C'est mon ayout. Non, quand tu veux, à ta yo nos anasons yo invité, ma chroniqueur mousson à émission, au tala par rapport à objectif au lobby, nous t'as posé ma question, boué bien à tel, ou quoi invité par rapport à objectif. Donc je ne vais pas inviter quelqu'un juste pour le plaisir, non, tala objectif nanga ou ezanini. Non, le canal salamini. Vous voyez, c'est ça en fait. Pasteur Moïse, c'est un plaisir. C'est comme on dit, moi, bien ou me l'a raté. C'est-à-dire, on est pris par le temps. Je voudrais cette fois-ci vous donner l'occasion. La caméra est là. S'il y a un message venant de vous, je rappelle que le lotus a le 31, à Nessili. S'il y a un message avant tout élément, Bandego Bautalayo, Bobalandé Missi. Pour finir, je dirais merci à vous, Papi Mboma. Et en même temps, je dirais que tout le monde a remarqué que Koking a vraiment été Tinasuka émission. Donc on a gagné. Je veux insister aussi sur les projets de 2018. Oui. On va produire des artistes. Ah bon? Oui. Avec le peu que Dieu m'a donné, l'album Nanga Euro, Nazo Zwango. Nazo aider ma jeunes artistes. Vous voyez pourquoi Moïse Mbi négocie bien ses contrats. Ce qui a négocié ma contrat n'a bien été. Et que Nazo gagné été na Oumoussa na Oussala. Comment on va aider les autres? Pour aider, on a besoin d'argent. Donc il faut que les gens comprennent qu'un pasteur, un musicien, peut vivre de son travail. Donc même si les lots, église, et son béli pasteur, les gens ne doivent pas être scandalisés. L'ouvrier mérite son salaire. C'est celui qui ne travaille pas qui ne doit rien avoir. Celui qui travaille, il faut l'encourager. Voilà. Pasteur, nous allons nous lever. Problème piraterie, peut mirer et nous colons. J'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, je vais me lancer, démarrer une production. Je vais lancer, Tina, moi, il y a juin, on va lancer 3 artistes. D'accord. Qui seront produits par moi-même. Mais après, je me demande si je vais récupérer mon argent. Parce qu'il faut signaler que les clips, on fera des choses de qualité. Peut-être on sera dans les 40 000 euros des dépenses. Okay. Mais est-ce qu'on va le récupérer? Parce qu'il y a la piraterie. On n'est pas sécurisé. Je vais vous faire rire. Moutoumoka Wando piraté, Balbom Nanga, c'est un ouest africain. Tokangiye, Tomemi et Tina Parke. Le jour suivant, Toye Boye. Oh, Azate. Totouni Azate, oh, te. Abimagi na mukolo ne mwanansem Abimagi pas Abimagi. C'est la réponse qu'on nous a donnée. Abimagi na mwanansem. Vous voyez? Parce que l'idée n'est pas ça. Non, l'idée n'est pas ça que l'État et l'Andela est protégé ngai mwanamboka. Ba droit ngai est à la respecter. Il faut son asali musala nanga na mona que l'État soit accompagné. Moi je paye les impôts. Là parmi bara congolais c'est même pas l'église ou la structure, c'est monsieur Moïse Mbi, il paye les impôts. Mais la question qu'on se pose, quand je paye mes impôts, à mon tour, qu'est-ce que l'État fait pour moi? Si on ne sait même pas protéger mon travail, mais à la fin du mois, j'apprends que bah, c'est les bureaux nanga parce qu'il y a un impôt. Vous voyez, voilà pourquoi il y a beaucoup de mécontents. Pasteur, on va clôturer, on va prendre ces papiers, c'est quoi? Et pendant que vous voyez la question, on a bien. N'est-ce pas l'église à cité Bethel? Baloupa Ngouana. Oui. Bonjour. Mais Hervé, hein? Merci, pareil.
pangwana ya cité Bethel. Et dans la kombwana de ndako dans la kombwa moto. Ah papa, vraiment atale lo balobi bazolo pa moko cité Bethel. Matia na kombwana nga na oboya. Papa, question d'abord, hein, et ça, c'est ça, il y a église cité Bethel. Église, et ça, église. Bah, grosso modo, pas monté, bah, tchéwana, acheter. Non, c'est, non, oui, oui, bisou à Bongo. C'est toujours un problème. Ce qui n'est pas, c'est que vous avez dernièrement. Ce qui est Panzani. Mais, ça, il y a Bethel. Mais qui est Bethel après? Mais Bethel, les alliés, l'église aux hommes, on a un seul communauté. Bethel, c'est pas moi. Bethel, c'est les fidèles. Libre. Bethel, c'est cette maman qui est codine. Tant que vous êtes somba, vous pangou. Mais signez Penza Kumba Bethel. Mais je te dis. Le service à Kadas, vous avez signé Bethel. Je te dis. Parce que ceux qui m'ont en a teka, n'a pas habilité à teka. Mais Bethel, il a na personnalité juridique d'abord. N'a pas habilité. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Batoyo, Bazali, n'a pas membre statutaire. C'est eux qui siègent. Vous voyez? Telle parcelle, tu es peut-être pour tous ton hôpital. Tout le monde signe. Ceux qui va signer, la majorité va signer. Non, ça dépend de l'objectif. Tu es pour ton cabelamout ou jamais. Tu es peut-être. D'abord, tu es pourquoi? C'est impossible. On ne peut pas le faire. Et je disais aussi que moi, presque personnellement, je refuserais parce que, un, je suis pas fainéant. D'abord, papa bon, ça y est, voilà. Tout le monde a un pasteur, tout ça, au fils à papa. Ah, ça me ferait plaisir. Pasteur, en fait, il y a trois papiers. Ah ouais, il y en aura papier, moi, quoi. N'a pas eu un moulaïo. Que j'ouvre déjà. Ouais, vas-y. On peut lire ensemble. Il y a un an. Vrai ou faux que Moïse Mbille sait que l'affaire Guégué a été orchestrée par un homme de Dieu connu de Kinshasa. Vrai ou faux? Ah, faux. Merci. Plaisir d'avoir été là. C'est bon, yo. Tout ça, c'est un abisso. Je vous prie une bonne année. Et je banda. Tout ça, bimawa. Tout kemba la moko. Pour qui parle de politique? J'ai beaucoup d'amis politiciens. Ah, ok. Est-ce que menaçant, on ne peut pas combattre? Oui. Au BTP concerté? Oui. Au Lobani après? Attends, menaçant, on ne peut pas combattre. Et le regret, c'est ma cache, Isaki, que j'avais constaté que dans le cas de combattants, ils ont un moussoussou. Ils arrivent vraiment à combattre, mais il y avait aussi des gens qui profitent, qui sont camouflés. La combat va combattant pour combattre l'église. Vous voyez, parce que j'avais remarqué, il y avait beaucoup de gens, de dieux de noir, il y avait beaucoup de choses. Parce que dans le combattant, c'est pas tout le monde qui vise l'intérêt à Mbouka. Moi, je connais quelqu'un. Aye Koluka, à l'époque, le ministre Denis Kambay. Aye Koluka, monsieur Denis Kambay, pour que a financé le projet Naye. Denis Kambay, pour l'instant, gouvernement, ils en ont monté. Azouni a commis combattant. Vous voyez, est-ce qu'il va me faire croire qu'il y avait. Ils ont pour la maman beaucoup, non, ils ont pour l'intérêt, n'a pas personne. Soba finance à Kaye, peut-être n'a pas nous, y'en babanze moi. Vous voyez? Donc, parmi les combattants, il y en a qui combattent vraiment pour le pays. Okay. Il y en a aussi qui visent les agents. Gloire à Dieu, ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Ça a été pour nous un réel plaisir, pasteur Moïse Mbille. Mais est-ce que vous voyez là pour répondre à Bissou? Il y a Zoba, na Zoba. Bah, ça là, Zoba, mon. Ça dit, c'est un Zoba, au P. Zoba. C'est vrai? Ah bon? Je peux bien maillé. Je sais pas. Ma collaborateur n'a pas d'arbazo, va tomber maïle. Je pense que va maïle. Autour de moi, il n'y a que des hommes intelligents. Voilà. Tout le kinga. Parce que maïle, na yo na ya bango. Y a moins ça la maïle mon côté. Bon, je sais pas s'il faut le dire. Au bangano pamba. Demona bato bada na simakuna équipe technique wana nyoso. Dax Menaya, mes juniors coulés, les Michel Mombongo. Bref, la grande équipe. Je vous dis merci. Pour nous sengi à l'élo, nous avons dit que nous avons
Il y en a besoin d'habiter. À Bengi Bengi trop me dit, on a besoin de témoigner le mot ah ouais, sur yo. Il y a passé. Tu autorises mon côté? À quota. Au final, je vous je vous dis merci, fidèle téléspectateur, pasteur, encore une fois de plus. Merci, c'était un plaisir. Mais quota. Aïe. Aïe, on a voyé un bain et sengo. Un micro pour notre PC. Ah, ok. Ah. Ça va aussi mettre le micro. Ah. On veut l'occasion, un grand merci à toute votre équipe aussi. Merci. Qui a été en contact avec nous. Merci à Raïssa. Oui. Merci à qui encore? Raïssa, Olivier. Merci à Michel. Merci à Clovis. Merci à Francis. Merci à Ndombe. Merci à Baron. Si vous avez dit que vous avez Je vous dis merci, je vous laisse sur le plateau, calmement. Au revoir, à dimanche prochain, bonne année à tous. Alors que ce qu'il réservait pour moi, c'était une couronne sur ma tête. Moroninga oyo nazui, nyonso ya yeza malamu. Ataba pasi nandimi nanga, tovanda na ye elongo. Mai ya miso ya butu, nzoka amona ki yango. Eleka kinga mayele, apesa kinga lisungi. Bonne année, merci.